Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Tours pour découvrir l'exposition « Le sceptre et la quenouille, être femme entre Moyen-Âge et Renaissance » qui se tient du 8 mars au 17 juin 2024. Donc je suis Elsa Gomez, conservatrice ici au musée et co-commissaire de l'exposition avec Aubrey David-Chapy qui est historienne et spécialiste notamment du pouvoir féminin à la Renaissance. C'est une exposition qui est reconnue d'intérêt national par le ministère de la Culture et qui a été réalisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et avec la participation exceptionnelle du Musée du Louvre et du Musée national de la Renaissance. L'exposition s'intéresse au rôle, à la place et à l'image des femmes dans la société au XVe et au XVIe siècle, principalement en France et en Europe du Nord. Et comme le sujet est riche et qu'on souhaitait l'aborder sous un spectre social qui soit le plus large possible, nous avons fait appel à des œuvres et des objets de nature très diverses. Donc, les visiteurs pourront découvrir des peintures, des sculptures, des gravures, mais aussi des objets d'art, des livres manuscrits ou imprimés, des documents d'archives ou encore des objets archéologiques. Nous avons choisi de resserrer notre propos sur les 15e et 16e siècles parce que c'est une période qui est signifiante à plusieurs titres. D'abord parce que ça nous permettait d'être à la charnière de cette partition académique un peu artificielle entre deux grandes périodes de notre histoire qui sont le Moyen-Âge et la Renaissance. Et donc d'aborder cette période non pas dans une idée de rupture mais bien dans sa continuité qui était plus pertinente pour traiter le sujet qui nous intéressait. Et puis c'est aussi une période qui est marquée par de profondes réflexions et des débats idéologiques sur ce qu'on pense être la nature féminine et la place des femmes au sein de la société. Donc une période particulièrement intéressante à étudier pour l'histoire des femmes et qui se trouve également être marquante en fait pour l'histoire de Tours et de sa région puisque les 15e et 16e siècles c'est une période où la Touraine est l'une des résidences privilégiées des rois de France et c'est une période qui n'avait pas été traitée ici au musée dans une grande manifestation depuis maintenant 12 ans. Donc nous souhaitions vraiment aussi la remettre en valeur. L'exposition se structure autour de 5 grandes sections. D'abord le couple et les relations conjugales, puisque même si c'est une exposition sur les femmes, ça n'aurait pas eu de sens d'exclure les hommes, mais l'objectif était plutôt d'essayer de montrer, de donner à comprendre les relations entre les sexes dans un cadre dans lequel on ne choisit généralement pas son conjoint, on y reviendra. La deuxième section explore les rôles sociaux dévolus aux femmes et les activités qui en découlent et qui structurent leur quotidien, qui peuvent varier selon l'appartenance sociale. Donc là, on s'intéresse à la maternité, au travail, au moment de sociabilité et à la dévotion à Dieu, mais aussi aux autres. La troisième section explore l'imaginaire construit autour de l'être féminin à l'époque, sous un prisme essentiellement masculin qui fait de la femme un être fondamentalement ambivalent. Et puis les quatrième et cinquième sections explorent des personnages de femmes fortes, réelles ou imaginaires. Donc d'abord ces figures de femmes guerrières qui mêlent des qualités féminines et masculines et qui amènent à s'interroger sur le rôle qu'ont pu jouer effectivement les femmes en contexte guerrier. Et puis des femmes qui ont exercé brillamment un réel pouvoir politique et qui ont dû tout faire pour légitimer aux yeux des autres ce pouvoir avec des personnages célèbres de la période, notamment les reines de France Anne de Bretagne et Catherine de Médicis ou encore Louise de Savoie, la mère de François Ier. Alors ce qui m'a frappée lors de la préparation de cette exposition, c'est de voir à quel point certains stéréotypes de comportements sexués qui existent toujours aujourd'hui trouvent un ancrage ancien finalement et j'ai trouvé ça très intéressant de comprendre d'où nous venaient certaines constructions culturelles dont nous héritons aujourd'hui. C'est aussi l'un des intérêts de cette exposition pour moi, c'est de proposer un éclairage historique, une épaisseur historique sur l'un des grands enjeux de notre société contemporaine et de venir en éclairer certains fondements.
Donc nous nous trouvons dans la première section consacrée au couple et aux relations conjugales. Et donc depuis que le mariage a été institué comme sacrement entre le XIIe et le XIIIe siècle, l'Église a structuré peu à peu la société autour du noyau constitué par le couple et sa descendance. Et le statut matrimonial est quelque chose de fondamental pour une femme puisque c'est ce qui détermine la place de chacune dans la société selon que l'on est une jeune fille, vierge, une épouse ou une veuve. Et le mariage à l'époque, avant d'être une union entre deux individus, c'est avant tout une union entre deux familles, avec des enjeux financiers et sociaux importants, ce qui implique que ce ne sont pas les sentiments qui président à l'union et que on ne choisit généralement pas son conjoint. Les femmes, elles ont pour mission de servir les intérêts familiaux par leur mariage, et l'important, c'est vraiment l'ajustement du rang et la consolidation et la transmission des patrimoines. Alors, il arrive pourtant que certaines femmes vivent en dehors du mariage. On sait que le concubinage existe, par exemple, mais le cas le plus fréquent, c'est celui de n'être plus mariée, puisque la mortalité importante rend le veuvage fréquent, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, avec des conséquences différentes, puisque effectivement, lorsqu'on dispose de ressources financières suffisantes, être veuve peut s'avérer une situation intéressante, puisqu'on est libéré de toute tutelle masculine et qu'on récupère sa pleine capacité financière et juridique que l'on n'aurait pas nécessairement en tant que femme mariée. Et puis le veuvage peut placer les femmes en position de chef de famille. Ça a été le cas notamment d'Antoinette de Bourbon. Nous avons un portrait dans l'exposition, la duchesse de Guise, qui à la mort de son époux a choisi de ne pas se remarier et qui a vraiment, elle, dirigé d'une main de fer le clan de sa famille, le clan des Guise, jusqu'à sa mort. En revanche, dans les milieux moins favorisés, le veuvage peut conduire à des situations de grande précarité puisque les femmes y perdent souvent beaucoup sur le plan économique. Et là, on va avoir tendance à chercher à se remarier le plus rapidement possible. Alors, cette dimension de pacte social et financier qu'est le mariage ressort dans la représentation des couples mariés. Et on en a un exemple ici avec ce portrait d'un couple de bourgeois hollandais respectables du XVIe siècle qui répond vraiment à toutes les conventions du genre. Dans le mariage chrétien, le lien conjugal est pensé dans un double rapport à la fois égalitaire et hiérarchique entre l'homme et la femme, qui trouve son origine dans les commentaires du texte biblique de la création d'Ève à partir d'Adam, et ça ressort également dans la représentation. Donc on voit que les époux sont chacun en pendant, ils sont chacun sur un panneau, donc représentés en buste, deux trois quarts. Ils se tournent l'un vers l'autre dans une attitude de collaboration et de reconnaissance mutuelle, selon le modèle du couple chrétien. Donc ils sont traités sur un pied d'égalité, mais on a quand même des subtiles différences de traitement qui montrent la domination du mari sur sa femme. On voit qu'il a une attitude plus dynamique, il s'avance vers le spectateur, il a son bras avancé, il a également un regard plus décidé, il est vêtu de manière plus ostentatoire que son épouse avec ce manteau fourré qu'il serre fermement, et puis il tient aussi dans la main qui est au premier plan une feuille de papier qui permet de mettre l'accent sur son rôle social à l'extérieur et sur ses affaires. À l'inverse, on voit que son épouse a une attitude qui est plus en retrait, elle a le regard dans le lointain, elle a les mains resserrée sur elle et elle tient dans ses mains un chapelet, ce qui permet de mettre l'accent sur sa piété et sa dévotion qui sont des qualités que l'on attendait particulièrement d'une bonne épouse. Donc on voit que là, voilà, on a une représentation de couple dans laquelle chacun est à sa place, chacun joue son rôle et ce n'est pas du tout une mise en scène amoureuse, mais ce qu'on met en avant ici, c'est bien l'indissolubilité de l'union, la solennité du lien et évidemment le rang social et la prospérité du ménage. Alors dans un cadre où la majorité des mariages sont arrangés, on peut se demander évidemment si l'amour peut trouver sa place dans tout ça. Alors heureusement, on dispose de nombreux témoignages qui témoignent de l'existence de sentiments conjugaux entre les époux. On a notamment dans l'exposition une lettre écrite par une femme, Gabrielle de Bourbon, à son mari, qui témoigne d'une vraie affection et d'une vraie complicité conjugale. Et puis nous avons aussi un très beau portrait, la dame aux pensées, qui servait justement à être emporté avec soi lors d'une séparation pour se souvenir des traits de l'être aimé.
Malheureusement, les relations ne se passent pas toujours forcément bien. Et si, bien évidemment, tous les maris ne sont pas violents, on a aussi de nombreux témoignages dans les sources qui attestent de cas de violence conjugale, puisque le mari a ce qu'on appelle un droit de correction maritale sur son épouse, qu'il peut battre de manière juste et rationnel. Alors évidemment, les contours de ce droit sont difficiles à déterminer, y compris pour les juridictions de l'époque, mais à certains moments, on a jugé que la limite avait été dépassée, puisqu'on dispose de nombreux témoignages de procès qui ont été intentés à des maris violents par des épouses et leurs familles, notamment pour essayer d'obtenir une séparation de corps. Et on propose dans l'exposition une borne d'écoute qui permet de découvrir deux actes qui sont conservés aux archives départementale d'Indre-et-Loire et qui font état justement de cas de violence conjugale. Alors, le couple demeure un lieu de tension et les mésaventures de la vie conjugale, dont on rend souvent les femmes responsables, suscitent le développement d'un imaginaire satirique autour de la conjugalité dans lequel les femmes n'ont pas forcément toujours le beau rôle. On en a un exemple ici avec ce très joli tableau intitulé « La tireuse de cartes » qui est une copie de la fin du XVIe siècle d'après un original du tout début du XVIe siècle de Lucas de Leyde, dans lequel on voit au premier plan un jeune couple en train de s'échanger un œillet. Alors le fait que la jeune femme manipule des cartes, ça a conduit à des interprétations. On a voulu en faire une tireuse de cartes, une cartomancienne, mais son attitude et son costume ne cadrent pas bien avec les représentations de ce type que l'on peut connaître à l'époque. Et comme ils sont assez assortis avec le jeune homme, tant dans l'attitude que dans la richesse du costume, on peut plutôt y voir un jeune couple prêt à s'engager dans le mariage, puisque l'œillet, c'est une fleur qui est symbole de fiançailles. Mais la présence des cartes, la présence du fou à l'arrière-plan et le lieu même de la scène, qui est une taverne, donc un lieu de jeu, de boisson, un lieu de perdition, souligne le caractère hasardeux et vain de cette entreprise. Et puis, il y a à l'arrière-plan un second couple en miroir du premier, formé par une seconde femme qui offre une coupe de vin au fou et qui souligne donc l'ivresse et la folie que constitue l'amour. Et puis, on peut voir également un parallèle dans la composition entre l'œillet et la marotte du fou, donc ce bâton qu'il tient derrière son épaule, avec cette petite tête grimaçante qui se tourne vers le jeune homme et semble se moquer de lui, et qui donc éclaire cette symbolique de l'œillet d'une manière un petit peu différente. Et on peut y voir aussi une mise en garde contre la parole féminine en général, qui est aussi un lieu commun assez répandu dans la littérature et dans l'iconographie de l'époque, puisque les deux femmes sont toutes les deux associées à des accessoires qui évoque la tromperie, que l'on considère comme un vice particulièrement féminin, les cartes et la coupe de vin. Outre une alliance entre deux familles, la première finalité du mariage, c'est évidemment la procréation, et donc on attend d'une femme mariée qu'elle mette au monde des enfants. Et ne pas avoir d'enfants, c'est vécu comme un malheur et comme une grande culpabilité dont on rend souvent d'ailleurs les femmes responsables. Et donc la vie conjugale et la maternité sont vraiment les fondements de l'identité sociale féminine. On le voit très bien ici avec ce tableau, qui est un portrait qui représente une famille de la bourgeoisie anversoise au XVIe siècle.
avec donc le peintre Franz Ier Franken, son épouse Elisabeth Mertens et leurs quatre enfants. Et ce qui est intéressant dans ce tableau, c'est qu'on voit bien que tout est fait pour mettre en valeur l'épouse, qui est à la place qui est traditionnellement la place d'honneur, donc plutôt réservée aux hommes, à la gauche du tableau, ce qui correspond en réalité à la droite héraldique, c'est-à-dire du blason. Et puis on voit qu'elle est désignée par son fils aîné et par son mari, et elle regarde également directement le spectateur. Par ailleurs, on a à l'arrière-plan la présence du portrait de son père à elle, à gauche, et du portrait du père de son mari à droite. Et donc la présence des deux grands-pères à l'arrière-plan indique que l'on met vraiment l'accent sur la généalogie familiale. Donc Elisabeth Mertens, elle est mise en valeur ici dans ses rôles fondamentaux d'épouse et de mère, et de garante avec son mari de la perpétuation dynastique, de l'harmonie du foyer et de la prospérité du ménage. Alors, outre ce rôle fondamental de mère, le premier métier des femmes, c'est d'assurer la bonne tenue du foyer. Les femmes sont maîtresses en leur logis, et donc tout ce qui est entretien du feu, ménage, lessive, cuisine, leur incombe, en personne ou en supervisant des serviteurs, en fonction du milieu social. Néanmoins, les tâches qui leur sont dévolues sont loin de se cantonner au strict espace domestique, puisque, et ça c'est une réalité que l'on n'a pas forcément à l'esprit pour cette période, mais la grande majorité des femmes a besoin de travailler pour vivre et faire vivre sa famille. Et le couple, c'est vraiment une association dans laquelle chacun a son rôle à jouer et chacun participe à la bonne marche du ménage. Et les femmes y sont actives tout autant que les hommes, et notamment par leur travail. Donc même si l'activité professionnelle, ce n'est pas à l'époque ce qui définit l'identité féminine, c'est une réalité sociale très importante de l'époque. Alors, à la campagne, les femmes participent à certains travaux des champs avec les hommes, mais elles ont surtout en charge les activités nourricières, donc le soin des animaux, la basse-cour, le poulailler par exemple, mais aussi la fabrication du beurre ou du fromage. Et ce sont elles qui, le plus souvent, vont vendre au marché le surplus de la production familiale, qui permet à un ménage paysan d'avoir une source de revenus régulière. Et en ville, les femmes ont accès à de nombreux métiers qui peuvent être différents de celui de leur mari, justement pour apporter un complément de revenus au ménage. Elles sont très présentes notamment dans les métiers du textile, de l'alimentation ou du commerce de détail, mais on les trouve aussi dans des registres plus inattendus. On a des batelières, des receveuses de péage ou même des femmes qui travaillent comme manœuvre pour les maçons sur les chantiers de construction. Alors, dans la bourgeoisie urbaine, les femmes sont souvent associées à l'affaire familiale, et les épouses de négociants, de commerçants ou d'artisans sont les premières partenaires économiques de leur mari. Donc elles le secondent, c'est elles qui le remplacent si jamais il n'est pas là. Quand il y a une boutique, souvent ce sont elles qui la tiennent et qui sont donc en relation directe avec les clients. Mais ce sont aussi elles souvent qui s'occupent de la correspondance, de la comptabilité. Elles peuvent aussi parfois s'occuper de gérer les relations avec les autorités, de superviser les apprentis ou les ouvriers, donc elles ont vraiment un rôle fondamental. Et on illustre cette collaboration avec ce tableau de Marinus van Rijmerswelle, Le banquier et sa femme, ou Le changeur et sa femme, qui est un tableau dont il existe de nombreuses versions, avec une tonalité critique plus ou moins affirmée de ces professions de l'argent liées au capitalisme naissant aux Pays-Bas. Mais ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est vraiment la collaboration entre les époux. Donc on voit que le mari est en train de peser des pièces pour en déterminer la valeur, et puis sa femme délaisse le livre de compte qu'elle est en train de consulter pour se tourner vers son mari. Donc là, on voit justement que c'est elle qui s'occupe de la comptabilité. Chacun est à sa tâche, mais ils sont complémentaires, et elle apparaît comme une épouse qui seconde efficacement son mari dans ses affaires. Et par ailleurs, ils sont vraiment tous les deux côte à côte, tournés l'un vers l'autre dans leur intérieur, et l'épouse n'est pas du tout en retrait de la scène, elle y participe pleinement. Donc on sent vraiment bien justement ce partenariat économique qu'est le couple à l'époque, et qui permet aussi aux femmes qui deviennent veuves, si elles en ont la capacité et le souhait, de reprendre l'affaire de leur mari. Et on a de nombreux exemples de veuves, notamment d'imprimeurs, mais aussi de marchands, qui ont fait fructifier l'affaire de leur époux et qui sont parvenus à de vraies réussites entrepreneuriales. Thank you.
Les femmes sont exclues des charges publiques et n'ont pas accès aux professions intellectuelles, elles ne sont pas formées pour cela, on considère que ce n'est pas leur rôle. Mais il y a toujours des exceptions, c'est ça aussi qui est intéressant justement avec ce genre d'exposition de société. Et donc nous avons tout de même dans l'exposition deux exemples de production artistique et intellectuelle féminine. D'abord un plat émaillé qui est signé d'une émailleuse, Suzanne Decour, qui est un cas unique de signature féminine dans l'art français du XVIe siècle. On connaît des artistes féminines pour les Pays-Bas ou pour l'Italie par exemple à la même période, mais c'est un cas unique pour l'art français qui soulève de nombreuses questions parce que c'est une artiste sur laquelle on a très peu d'études, mais ça soulève la question notamment de la participation des femmes à ces ateliers familiaux, puisqu'on ne sait pas si cette signature recouvre l'intervention de l'individu en tant que tel ou si c'est une marque d'atelier. En tout cas, il est tout à fait possible que même si on a sur certaines pièces des signatures masculines, et bien derrière il y a eu la participation de femmes sans que l'on en sache rien. Et puis nous présentons également un exemplaire de La Cité des Dames, un livre écrit par une femme, Christine de Pizan, qui est l'une des premières femmes connues à avoir vécu de sa plume en tant qu'écrivaine professionnelle, puisqu'elle a été amenée à travailler une fois devenue veuve pour subvenir aux besoins de sa famille, et donc elle a choisi un métier qui est à l'époque un métier d'homme, le métier d'écrivain, et elle est devenue une historienne, une philosophe, une moraliste reconnue de son vivant, et elle a même elle-même dirigé l'édition et l'illustration de ses propres textes. Alors nous sommes dans la troisième section de l'exposition sur les images de la femme et le discours dominant, dont le prisme est masculin puisqu'à l'époque ce sont essentiellement les hommes qui écrivent, contribue à forger un imaginaire collectif qui est assez largement défavorable au sexe féminin, même si on lui reconnaît des qualités spécifiques. Et donc les traités de morale, d'enseignement ou les sermons des prédicateurs vont consacrer certaines vertus que l'on considère être spécifiques féminine, la chasteté en premier chef, qui est la première des vertus pour une femme honorable, mais aussi l'obéissance, l'humilité, la dévotion, et qui vont venir s'incarner dans des figures de femmes vertueuses, souvent tirées de l'Antiquité gréco-latine ou de la Bible, que l'on va proposer aux femmes comme des modèles de comportement à imiter, la première d'entre elles étant bien évidemment la Vierge Marie. Et donc, relayée par l'essor de l'imprimerie, se diffuse alors une vision du féminin polarisée dans une image contradictoire entre la bonne et la mauvaise femme, donc, schématiquement entre l'idéal inatteignable de la Vierge Marie, qui est à la fois vierge, mère et épouse, et qui correspond à toutes les attentes sociales que l'on projette sur les femmes, et à l'autre extrémité du spectre, Ève, responsable du péché originel, et donc porteuse de tous les maux du monde. Donc, on a à la fois des discours misogynes très virulents, et on assiste dans le même temps, au XVe et au XVIe siècle, à l'émergence de la voix de certains lettrés qui viennent remettre en question la supposée infériorité féminine, la plus marquante d'entre elles étant peut-être celle de Christine de Pizan, autrice du début du XVe siècle, qui, si elle ne remet pas fondamentalement en cause la hiérarchie entre les sexes et l'ordre social de son époque, adopte quand même un discours d'une grande modernité pour l'époque, puisqu'elle écrit de vrais plaidoyers pour la défense du sexe féminin, dont La Cité des Dames, dont nous avons deux exemplaires dans l'exposition, qu'elle conçoit comme un rempart contre la misogynie dans lequel peuvent venir se réfugier toutes les femmes méritantes de toutes conditions, et ce à travers les siècles, et dans lequel elle utilise justement ces figures de femmes illustres du passé pour rendre justice aux femmes et prouver qu'elles ont tout autant de dignité et de capacité que les hommes. Donc on a vraiment une dualité fondamentale qui caractérise la figure féminine. Dans
Dans l'imaginaire de l'époque, la femme tire d'Ève une nature originellement pécheresse et ce lien avec le péché originel l'associe plus particulièrement avec l'orgueil et la luxure que l'on considère être des vices particulièrement féminins. Et cette association entre la femme et la luxure, qui est vraiment un lieu commun hein, du discours d'Éclair, s'incarne notamment dans la figure de la sorcière. Alors, si des hommes ont été convaincus de sorcellerie, la majorité des personnes condamnées lors des procès de sorcellerie qui se sont développées surtout à partir du XVe siècle, mais après davantage au XVIe et au XVIIe siècle, sont des femmes. Et à partir de la fin du Moyen-Âge, on fait davantage le lien entre le sexe féminin et la pratique de la sorcellerie. Ainsi, il y a en 1487 la parution d'un ouvrage qui est un traité de démonologie rédigé par deux inquisiteurs allemands qui s'appelle le Malleus Maleficarum ou Marteau des sorcières, qui est un ouvrage qui a connu de très nombreuses rééditions et dans lequel les auteurs font explicitement le lien entre la nature féminine et la pratique de la sorcellerie parce que la femme est naturellement inférieure à l'homme et naturellement plus faible, donc elle est réputée plus perméable à l'influence de Satan, et sa supposée insatiabilité sexuelle la porte également à offrir son corps aux démons. Alors, dans cette gravure de Hans Baldung Green, qui date de 1510, on retrouve tous les éléments traditionnels associés à la pratique de la sorcellerie. Dans une atmosphère fantastique et effrayante qui est renforcée par le choix de l'artiste d'utiliser une planche de teinte orange qui crée vraiment une atmosphère très particulière. Alors, on est dans une scène de nuit, hein, dans la forêt, donc avec une nature effrayante qui est propice à être chargée de puissances magiques et maléfiques. Et les femmes sont représentées nues. C'est justement un signe de leur proximité avec cette nature, mais aussi de leur luxure. On voit qu'elles sont représentées à différents degrés hein, de vieillesse et de laideur. Alors, les sorcières peuvent aussi être incarnées par de belles femmes, et à ce moment-là, on insiste davantage sur la tromperie. Mais la laideur est quelque chose qui est associé à l'époque à un signe de déchéance morale. Et puis, on a également les ossements et les fourches hein, qui jonchent le sol. On a également à l'arrière-plan des saucisses présentées sur une fourche qui peuvent faire écho à un maléfice, une capacité que l'on prête aux sorcières de rendre les hommes impuissants. Et puis, on voit que les femmes sont assises autour d'un pot dont s'échappe une nuée maléfique et qui contient vraisemblablement un onguent qu'elles fabriquent et dont elles se servent pour enduire certains objets et les faire voler pour se rendre au sabbat. Alors là, la sorcière qui vole en haut de l'image n'est pas sur un manche à balai, hein, mais elle est sur un bouc. Et en fait, ce bouc, dont on voit aussi une tête qui apparaît dans la nuée à gauche, est un animal qui est associé au diable et associé notamment à la sexualité et à une sexualité agressive. Alors, l'arme principale de la femme, ce qu'on aime chez elle et ce qu'on lui reproche en même temps, c'est son pouvoir de séduction qui suscite des sentiments complètement contradictoires. C'est-à-dire que la beauté féminine peut faire l'objet de l'éloge de poètes où elle est portée au nu et dans le même temps susciter les foudres des moralistes, des clercs ou de certains philosophes. Donc ce regard masculin porté sur les femmes, hein, mêlé de peur et de désir, construit un être féminin qui est fondamentalement ambivalent. Et l'un des personnages qui l'incarne le mieux dans le monde chrétien, c'est Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine, c'est un personnage composite qui a été créé à partir de plusieurs figures de femmes bibliques hein, qui se prénomment toutes Marie, et notamment Marie l'Égyptienne qui était une prostituée repentie qui vivait en ermite. Et donc c'est un personnage complexe de sainte pécheresse et dont les diverses facettes ont fait l'objet de représentations iconographiques très variées. Et à partir du XVe siècle, elle incarne fréquemment la beauté et la sensualité féminine. Donc une jeune femme richement parée, hein, une belle mondaine qui vit une vie de luxe et de plaisir. Et c'est ce qu'on a ici avec cette très belle jeune femme, somptueusement parée, avec son costume extrêmement riche. Donc là, on insiste sur la dimension pécheresse de Marie-Madeleine, qui ne s'est pas encore dépouillée des vanités du monde. Donc le caractère ostentatoire de sa mise, on la retrouve jusque dans le pot à onguent qu'elle tient, qui est l'un de ses attributs traditionnels. Mais en même temps, cet onguent, c'est celui dont elle s'est servie pour oindre les pieds du Christ
artiste. Donc la jarre, c'est également l'espoir de la rédemption. Donc on voit bien qu'on a les deux facettes. Et de l'autre côté, à l'inverse, on a une représentation de Marie-Madeleine pénitente, donc une fois qu'elle est arrivée au bout de son itinéraire spirituel. Donc là, elle est représentée en ermite dans la grotte de la Sainte-Baume où elle est en méditation. Elle en a les instruments, hein, le crucifix, le livre, le crâne également, qui est un symbole de la vanité de l'existence terrestre. Donc là, on met l'accent sur Marie-Madeleine repentante, mais l'artiste a fait le choix de la représenter nue, dans une pose qui est assez alanguie, et elle est couverte uniquement de ses cheveux. Or, ses cheveux, les cheveux lâchés, c'est la marque soit des jeunes filles vierges, soit des prostituées. En tout cas, ils sont normalement réservés à la sphère de l'intime. Donc là, ils sont la marque du passé de prostituée de Marie-Madeleine. Ils sont également la marque de sa repentance, donc de l'exil. Et elle s'est également servie de ses cheveux pour essuyer les pieds du Christ. Donc cet attribut, hein, qui symbolise Marie-Madeleine, il cristallise lui-même aussi toute l'ambivalence du personnage. Et si là on représente une femme dont le corps est désormais dédié à l'amour de Dieu, il n'en est pas moins porteur d'un érotisme qui, lui, est bien terrestre. Marie-Madeleine, c'est vraiment l'incarnation de la dualité. Elle est à la fois sainte et pécheresse, beauté sacrée et profane, luxurieuse ou pénitente. Et cette ambivalence dont on la part est vraiment caractéristique de l'ambiguïté du regard porté par les hommes sur le sexe opposé à l'époque. Nous sommes maintenant dans la section qui traite des femmes en armes, ce qui peut sembler paradoxal puisque au Moyen-Âge et à la Renaissance, les femmes ne font pas la guerre. Elles sont considérées comme inférieures physiquement et moralement aux hommes et donc ce sont par essence des désarmées dont la protection est confiée justement aux hommes. Pourtant, on a ces personnages de femmes représentées en armes, ces viragos, hein, c'est-à-dire qui agissent comme des hommes, qui sont très populaires dans la littérature et dans l'iconographie de l'époque. Alors leur succès peut s'expliquer à la fois par une part de fantasmes masculins et de contextes historiques et culturels. Donc les hommes du Moyen-Âge et de la Renaissance imaginent effectivement des femmes qui les égaleraient au métier des armes et comme souvent ils vont puiser leur modèle dans l'Antiquité gréco-latine et dans la Bible avec des personnages comme Judith ou comme les Amazones par exemple. Et donc les poètes et les romanciers créent des figures féminines idéales qui combinent des vertus masculines et des vertus féminines. Donc elles ont à la fois une force morale et un courage d'homme mais sans jamais se départir de leur féminité et notamment de leur beauté. Donc elles deviennent des sortes de figures idéales, fantasmées, qui combinent toutes les vertus. Et au tournant du XIVe et du XVe siècle, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, on a aussi une exaltation de la chevalerie traditionnelle qui est vue comme un idéal à une époque où la guerre prend de nouvelles formes et où la chevalerie française essuie de nombreuses défaites. Donc l'aristocratie se réfugie aussi dans une sorte d'idéal chevaleresque et courtois dans lequel les femmes ont aussi un rôle à jouer. Et puis par ailleurs, dans le contexte de débat sur la nature féminine dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien les défenseurs des femmes se servent aussi justement de ces modèles de femmes fortes et de femmes vertueuses pour exalter les qualités et les capacités des femmes. Donc ça participe aussi sans doute de leur popularisation. Judith est l'un de ces personnages de femmes fortes les plus populaires à l'époque et son histoire se trouve dans l'Ancien Testament. Donc c'est une belle et pieuse veuve, hein, dont la cité est assiégée par les troupes du général assyrien Holoferne. Et alors que le siège s'éternise et que les assiégés se désespèrent, Judith décide d'agir. Donc elle va faire une sortie dans le camp ennemi, elle se pare de ses plus beaux atours et elle s'en va séduire Holoferne qui tombe sous son charme et qui souhaite la garder avec lui pour la nuit. Et donc
Donc une fois qu'elle est sous sa tente, elle profite d'avoir séduit le général pour l'enivrer. Et une fois qu'il est endormi, elle le décapite avec sa propre épée. Elle ramène sa tête dans sa cité et c'est la vision de la tête d'Holoferne qui va faire fuir les assaillants. Donc dans le monde chrétien, Judith est une figure de vertu. Elle symbolise la victoire de la chasteté sur la luxure et de l'humilité sur l'orgueil. Et donc ici, elle est représentée dans une attitude triomphante, victorieuse, de femme forte. Elle brandit l'épée, qui est un attribut masculin, qui l'assimile aussi à une figure justicière, et elle tient de l'autre main la tête de son ennemi. L'artiste lui confère ici une virilité physique, une musculature notamment, qui fait écho à sa virilité morale, même si son corps reste féminin. Donc là, elle a une nudité monumentale qui s'apparente à la nudité héroïque antique, mais qui souligne aussi ici son caractère de femme séductrice, qui est renforcée par le regard qu'elle adresse très direct, qu'elle adresse au spectateur, et puis son manteau et ce voile qui la découvre plus qu'il ne la recouvre, et qui mettent en avant son caractère dangereux, puisque Judith s'est servie de son pouvoir de séduction et de la ruse pour parvenir à ses fins, et le général y a perdu la tête dans tous les sens du terme. Donc on retrouve dans cette représentation l'ambivalence dont on a parlé juste avant, justement. Et puis il faut souligner aussi que Judith n'est pas une femme guerrière. C'est sa force morale et la circonstance de crise et le fait qu'elle soit inspirée par Dieu, évidemment, qui l'autorise à manier l'épée. Mais une fois que son exploit est accompli, elle retourne à sa condition de veuve et ne fait plus parler d'elle. On retrouve dans ces figures de femmes fortes l'idée que la femme qui combat doit être pure, c'est-à-dire soit vierge, soit veuve. C'est le cas chez Judith. On retrouve ça chez les Amazones également, c'est-à-dire que le courage martial est associé à une idée de contrôle de la sexualité. C'est comme si les femmes devaient être au plus haut de leur propre vertu pour pouvoir acquérir des qualités masculines. Et par ailleurs, si on sort de la légende, certaines femmes ont été amenées réellement à prendre les armes dans des circonstances bien particulières, puisque les femmes aristocrates pouvaient tout à fait se retrouver en position de gérer un domaine, et si le mari n'était pas là et que le château était assiégé, alors elles étaient tout à fait légitimes à commander des hommes de guerre, même si elles ne participaient pas forcément elles-mêmes au combat. On a de nombreux exemples, en tout cas, de femmes qui ont été amenées à tenir des sièges dans le courant du Moyen-Âge, mais aussi au XVe et au XVIe siècle, notamment pendant les guerres de religion, aussi bien du côté catholique que protestant. L'exposition se clôt sur d'autres femmes fortes qui sont celles qui ont été amenées à exercer un réel pouvoir politique, puisque la fin du Moyen-Âge et la Renaissance sont marquées par l'affirmation de femmes en position de pouvoir dans toute l'Europe. Et si en France les femmes sont exclues de la succession directe à la couronne, on a certaines reines qui ont pu jouer un réel rôle politique, mais les femmes ont pu aussi, dans le cadre de la régence, être amenées à pallier des vacances de pouvoir plus ou moins longues, provoquée par les minorités ou les absences ou les incapacités royales. Et donc, elles se trouvaient alors en position de gouverner au même titre qu'un homme. Et donc, elles ont dû tout faire pour légitimer ce pouvoir aux yeux des autres, notamment pour faire face aux révoltes et aux contestations qu'elles ont pu subir, car leur présence à la tête de l'État et leur capacité à gouverner est très souvent remise en question par des princes rivaux ou des parlements ou des états provinciaux avides de pouvoir. Donc elles ont eu à cœur de créer notamment des images qui avaient pour but de venir légitimer leur pouvoir. Les médailles et les sceaux en sont de très bons exemples puisqu'il s'agit d'images qui sont amenées par leur nature à être largement diffusées, ou encore la commande artistique qui sert aussi à affirmer son pouvoir. Anne de Bretagne par exemple l'utilise très bien. Les
les cérémonies et les fêtes sont aussi l'occasion pour les femmes de pouvoir d'exprimer leur puissance. Et Catherine de Médicis, qui est sans doute l'une des reines et régentes de France les plus célèbres de la période qui nous intéresse, a poussé à son paroxysme la pratique des fêtes de cour qui sont extrêmement nombreuses et fastueuses sous le règne des derniers Valois. Il s'agit bien sûr de réjouissances, mais avec un arrière-plan éminemment politique de mise en scène qui vise à renforcer la puissance et la magnificence du roi et de la reine-mère, que l'on retrouve donc ici assis à gauche. On a le roi Henri III, puis la reine-mère Catherine de Médicis, puis la reine Louise de Lorraine-Vaudémont. Et derrière eux, on retrouve plusieurs membres de l'entourage royal, et notamment donc Henri de Lorraine, le duc de Guise, le chef du parti de la Ligue des ultra-catholiques, son frère, le duc de Mayenne, et le duc d'Épernon, qui est l'un des grands favoris du roi Henri III. On voit qu'ils posent leurs mains sur les dossiers des personnages royaux, ce qui indique leur proximité avec le pouvoir et ce qui montre bien cette dimension de mise en scène dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis on voit également que les femmes sont très nombreuses dans ce tableau. Tout au long du 15e et du 16e siècle, les reines et les régentes s'entourent de dames de compagnie qui sont de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que l'on avance dans le temps et qui leur permettent évidemment d'exprimer aussi leur puissance. Mais dans le cas de Catherine de Médicis, ces dames de compagnie, elles participent pleinement de la politique de concorde qui est souhaitée par la reine. Ce sont des jeunes femmes qui sont extrêmement éduquées, cultivées. La reine veille également à leur bonne moralité et elles sont envoyées pour, comme des diplomates finalement, mais pour pacifier les relations, que ce soit à l'échelle du royaume de France ou à l'étranger. Donc Catherine de Médicis, elle met vraiment en avant un pouvoir féminin qui est fondé en première intention sur la diplomatie, comme le théorisait justement au siècle précédent une certaine Christine de Pisan, dont nous avons déjà parlé, qui était également une grande théoricienne du pouvoir politique au féminin. Alors j'espère que cette plongée dans l'univers féminin des 15e et 16e siècles vous aura plu, vous aura interrogé, interpellé peut-être, et en tout cas que cela vous aura donné envie de venir voir cette exposition qui est l'occasion de découvrir des œuvres de grande qualité, puisque nous avons eu la chance d'avoir des prêts exceptionnels de nombreuses institutions patrimoniales françaises, et notamment de pièces qui ne sont habituellement pas présentées au public en raison de leur fragilité, comme les manuscrits enluminés ou les estampes. Cette exposition s'accompagne d'un important catalogue qui est publié aux éditions In Fine, mais aussi d'une riche programmation culturelle pour tous les âges, avec des cours d'histoire, des conférences, des spectacles, des ateliers pour les familles. Donc vous pourrez retrouver tout cela sur notre site internet. Et nous vous attendons donc nombreux au Musée des Beaux-Arts de Tours pour découvrir cette exposition qui se tient jusqu'au 17 juin 2024.